Salut tout le monde, il y a comme le soleil dans ma face. Ah, et où la télé grande? Je voulais juste fermer la télé. Parce que je pense que je vais mettre le message de pas venir parce que la chambre est en bordel en matin. Genre vraiment pas eu le temps de me préparer. J'étais un petit peu en retard. Parce que j'ai eu le temps de me maquiller correct là. Je voulais faire encore plus, mais bon, c'est ça. Puis heureusement que j'ai les cheveux courts parce que j'ai zéro temps pour les peigner ce temps-ci. Mon top c'est Garage. On voit un peu ma brassière, c'est gossant. La jupe c'est Aridia, je l'aime beaucoup. J'aime beaucoup la couleur, les souliers Ardennes. Ça c'est un petit cadeau de maquillage que j'avais reçu. Et voilà, le colis c'est quoi déjà? C'est Clora Boutique sur Etsy. Voilà, on se revoit tantôt parce que vraiment là, je cours un matin. Bye! Do you want me to drag you? Le bateau pirate! Hey guys, keep coming this way. Non mais cool! Tout back au deck. Toi, t'as pas vu le bateau encore? Non! Ah! Première chose que j'ai vue, fan de Pirates des Caraïbes. Represent! Non! Et on vient juste d'arriver, c'est vraiment hot. Il y a genre un bateau de pirates. Puis aujourd'hui, il annonce 31, ce qui est assez exceptionnel, comme il disait ce matin aux nouvelles. C'est peut-être un record. Il y a l'équipe française en arrière, je sais pas si on les voit d'ici. Non! Je vais vous les montrer tantôt. J'ai comme un pen en arrière de moi. Je comprends pas. C'est vraiment drôle. On est une espèce de camp, mais c'est une conférence. Je sais pas si on entend quelque chose. Ça risque d'être assez prometteur. Slightly different way. We're talking about what Lush is at its core, the creativity that drives this business forward. Okay, those great folks at Pool in Dorset, Cheshire. I want to hear about bird watching, but we've only got about 30 minutes for this session, so I thought I'd better ask Mark about business first. How do you see Brexit affecting business in the short term? That backpack, well, I'm thinking of sewing on a little Canadian flag on the back. So when I travel, people won't think I'm British. Well, popping out the back for a burger. Then, you know, I do think a vegetarian company is a good compromise. That's what we are. Most of the people in this room are not vegetarians. They're definitely not vegans. We provide vegan food. And so on. So that's my view on it overall. If we all become vegans, I'll be very, very content. Preservative free is actually just a mistaken word because you can't ever have something with no ability to be kept good. Do you know what I mean? You have to work on that. But we'll talk about that more. That was my reward. If I failed to commit 100 acts of minor dissent in the course of 1 year, there was a forfeit. And the forfeit was if I failed to commit 100 acts of minor dissent in the course of 1 year, I would pay £1,000 to UKIP. Winners, will you show the winners? These are our winners. The company changed their policy that afternoon. That afternoon, I think. Oh, this is spicy. Oh, yeah. So, yeah, they're 20% perfumes, so they last for 2 to 3 days. 20% perfumes. Oh, okay. Yeah, yeah. All brand new scents, and some of them have some tie-ins to the Gorilla perfume downstairs. He was like, regardez des vernis à ongles parfumés, puis l'odeur atteint genre jusqu'à 3 jours, puis ils sortent du lab de hier. Ça c'est fou. Tous ses doigts sentent quelque chose de différent. Si tu te laves avec ça, ça dure 20 ans, je pense. Seigneur. On vient d'arriver dans le marché de Noël. Il neige. Ça fond. Oh mon Dieu. Ok, mais c'est capoté là. Un tas de feuilles mortes qui bouge. C'est chaud. On est dans une serre en ce moment. Oh, c'est un gros souffle. Wow.
quelle heure? On est 4h15, c'est pas si pire. La journée passe pas trop vite, puis tant mieux parce que c'est la dernière complète. Fait que là, on est juste revenu. David et moi, David est au... Pourquoi je dis en haut? Il est en bas, il est au 3e. Juste se changer pour être comme plus confortable parce qu'on a encore quitté le groupe. On aime mieux faire nos... our own path, comment dire en français. C'est ça, on reste pas toujours avec le groupe parce que lui aussi, il aime ça beaucoup visiter puis marcher, fait que ça tombe bien. Fait que c'est ça qu'on va faire encore. Je pense qu'on va retourner dans le coin de, sûrement de Oxford Street, ou je sais pas trop, mais en tout cas, on aime bien ça, aller se promener puis découvrir des petits pubs. Donc, c'est ça qui va arriver. De toute façon, on avait fait le tour de tout le showcase Lush, qui était génial. D'ailleurs, j'ai jamais vu genre un événement comme ça. C'est tellement différent, mais c'était vraiment cool. Puis ça sentait bon partout. Fait que c'est ça, je vais vous laisser parce que je pense qu'il va descendre en bas lui aussi, mais on se revoit tantôt. Hop, j'ai complètement oublié, mais il y avait Ali Fantasy puis Laura Lourdes Makeup là, qui était avec moi à Londres la dernière fois, mais une fois que le showcase est commencé, je les ai genre perdu. Il y avait genre 3000 personnes là, c'était impossible de les retrouver, puis ils m'ont pas répondu encore sur Twitter, ils sont passés où, donc c'est vraiment poche. J'ai juste été dans le bus un matin avec elle. En tout cas, c'est dommage, on n'a pas d'occasion de se voir, mais bon, c'est la vie. Regardez qui j'ai trouvé finalement. Ben oui, j'avais dit que j'y reverrais plus, mais non, on s'est recroisé à l'hôtel. Yay! Fait que là, les filles veulent aller prendre du yogourt glacé. Puis moi, je pense que je vais m'abstenir, mais ça a l'air bon. Oh, il y a deux étages. Oh. Wouh! C'est tellement beau. Oh! Big Ben, tu es magnifique. What the fuck? Laura est en train de me dire qu'elle a vu Daniel Radcliffe il y a deux jours dans un club. Puis je suis comme en train de shaker, ça se peut pas là. Je recule là, je me bats puis je vais tomber dans ta mise. Je te crois pas. Bon, je sais pas si on va voir grand chose. Non! Moi j'allais chercher ça à chaque fois que j'ai, je le vois pas. C'était lui. Mais tu sais qu'il est tout petit. Ben oui, je sais. Oui, c'est pour ça que j'irais bien avec. Non! Si! Mais par contre, il est très gentil. C'est pas une poupée de cire? Non, c'est. Mais non! J'étais à Deauville au festival du film américain. Je suis en train de vivre un flashback en ce moment. On a retrouvé le coin que j'étais l'autre fois au St. Martin's Lane Hotel. Fait que là, on est exactement sur la petite rue que j'avais pris en photo sur Instagram. C'est trop cool! Est-ce qu'on cherche un pub? Je commence à avoir faim! J'adore cette rue, elle est tellement belle. Petite ruelle style Harry Potter. Wow. Nouveau cheveu et premier bon. Jour. Oui, c'est ça. Il est là? 14 minutes. Thank you. Ah, chouette. Vous avez déjà mangé ça, non? Non. Des pailles? Ouais, j'ai goûté l'autre jour. Et comme ça, les tartes. En ce moment, il est presque 11h du soir. On est rentré tout à l'heure. Finalement, on a eu un bon temps au resto avec les filles. C'était vraiment cool. Puis c'est ça, je suis contente de les voir parce que, comme je dis, je les vois jamais. Puis là, je pense que je vais juste éditer mon vlog. D'après moi, il va être trop long pour faire le lundi puis le mardi ensemble. Donc, je risque de les couper comme en 3 vlogs. Fait que je vais faire ça. Après ça, je vais me coucher. J'ai genre le gros bordel dans ma chambre en ce moment. Là, je me suis trop pas ramassée. Faut que je me garde un peu de temps pour ça demain ou à soir. Non, je pense que je vais le faire demain. Demain, c'est mieux. Ouais, une fois que je me suis préparée, je vais faire mes bagages. Puis après ça, comme mon lift, je pense qu'il est à 11h, je vais essayer d'aller me promener peut-être une dernière fois dans le coin, cette fois-ci tout seul. J'ai toujours besoin d'avoir un petit moment one-on-one avec mon Londres. Je suis trop bizarre, mais comme... Oh, je sais pas comment vous expliquer. J'avais écrit à un moment donné, ben après la première fois que je suis allée, j'ai écrit carrément genre un texte, comme une déclaration d'amour à Londres. Puis je voulais la publier sur mon blog, mais je l'ai jamais mis parce que je me suis dit peut-être que genre personne qui va pas comprendre, mais genre connecte là, tu sais, avec mon texte. Comment dire? Qui va ressentir les mêmes choses que moi pour cette ville-là. C'est très étrange ce que je vous dis en ce moment. Je sais pas si je vais le publier un jour, mais bref. Tout ça pour dire que j'adore Londres. Puis je suis sûre que je vais pleurer demain. Je suis déjà émue en ce moment parce que je commence déjà à être nostalgique. Ah, parce que je sais pas, c'est trop une belle ville pour moi. Je me verrais tellement habiter ici dans une autre ville. J'aime beaucoup l'Angleterre et beaucoup trop l'accent british. Je peux pas croire que je l'entends jamais, tu sais, quand je suis au Québec. Ah, puis aussi, j'en reviens toujours pas que Laura a rencontré Daniel Radcliffe. Sérieusement, ça a été le choc du jour et je n'en reviens toujours pas. Parce que c'est comme si je suis à une personne rencontrée. Mais il faut pas que je le rencontre. Si je le rencontre, je vais le traumatiser. Puis je veux pas qu'il garde cette image-là de moi. Mais en même temps, je veux le rencontrer, mais je voudrais, vous comprenez que je voudrais. En tout cas, je suis beaucoup trop groupie d'Harry Potter, je m'excuse. Les reals vont comprendre.
Fait que je vais vous laisser là-dessus, puis vous refilmer un petit peu demain. Désolée que mes vlogs sont si longs en ce moment, c'est parce que j'ai tellement de choses à vous dire, tellement de choses à vous montrer, mais bon, j'espère que c'est quand même intéressant. J'ai tellement pas confiance en moi dans la vie, je pense que vous commencez à le voir. Fait que c'est ça, merci beaucoup d'avoir écouté ce vlog-là, il y en aura un autre très bientôt parce que je suis pas mal sûre que je vais les couper en trois vlogs. Oh my god, mon ordi s'ouvre plus. Il pense qu'il s'ouvre, mais il ne s'ouvre pas. Ça reste tout noir, ça marche trop pas. Il est conseillère. Rebonjour. J'allais commencer à me maquiller. T'es un petit peu fatiguée, là, madame, matin. Hey, c'est drôle, je vous tiens comme dans cette main-là, puis en même temps, ça me sort de tablette pour mettre mon maquillage. Ouais, fait que c'est ça, j'ai bien dormi, j'étais un petit peu fatiguée, là. J'ai tellement le goût de faire la grasse matinée quand je suis dans ces hôtels-là, c'est fou, mais en même temps, je veux trop profiter, tu sais, de la ville. Fait que mon plan, c'est d'aller déjeuner, essayer de croiser les filles pour leur dire bye, et puis après ça, je vais aller me promener. Alone, forever alone, parce que I need it. Sinon, je suis un petit peu mad ce matin. I'm mad, bro! Parce que, je sais pas si ça vous fait ça vous aussi, là, mais genre, c'est un jeu, essayer de trouver quel adapteur, quel fil, quel plug vont fonctionner ensemble. Genre, je comprends pas pourquoi des fois ça marche pas. Genre ici, j'ai mon sel qui charge, mais ça a tout pris pour que je trouve comment le charger un matin. C'est vraiment n'importe quoi, là. Puis, hier aussi, j'étais en train de... Ben, je venais de finir de monter mon vlog 2 sur 3. Et je faisais la miniature. Puis là, soudainement, il y a eu comme des lignes qui sont apparues sur l'écran, des lignes de couleurs. Puis là, le background changeait vraiment bizarre. Comme si mon ordi était sur un trip d'acide, genre. Puis là, il y a juste comme fade out. Puis il s'est fermé complètement. Il était tout noir à la fin. Et je fais genre, what the fuck? J'essayais de le repartir. L'écran était noir, donc je voyais rien. Puis là, je le repars, puis là, j'entends le son, là, tchoum, mais l'écran s'ouvre pas. Fait que je panique, je suis sûre qu'il est pété parce qu'il m'a jamais fait ça. Puis en plus, vous le saviez peut-être, là, je l'avais dit dans un autre vlog, mais je suis allée le faire réparer, genre, vraiment récemment, là, juste avant de partir en voyage, parce que la batterie était un peu pétée. Mais là, c'est comme un problème avec l'écran, on dirait, fait que quand je vais revenir, j'aurai même pas le temps d'aller deux fois au Apple pour refaire des réparations, repayer pour ça. À moins que c'est eux qui ont merdé pendant qu'ils avaient fait la réparation, je sais pas. Puis pourquoi ça me dérange surtout, c'est que j'avais prévu monter genre deux vidéos sur cet ordi dans l'avion parce que genre 6 heures à rien faire, je suis pas capable. Fait que c'est ça. Je vous montrerai après là, mais je suis découragée. Regardez-moi ça. Ça dit que ça charge, là, ça venait d'être vert, là, c'est passé au rouge, puis il y a comme rien qui se passe, là. Ah, oh, je capote! J'ai envie de dire « Fuck you, Mac! My god, j'ai une drôle de face de même. Bon, fuck, c'est tout. J'ai fait ma petite marche. Petite. J'ai marché genre une heure. J'ai tellement marché ces derniers jours. C'est fou. Fait que c'est ça, je vais aller dire bye au gros Ben. Bon, ma nuit de lui, c'était frayeur. Je ris, mais dans le fond, je suis full triste. Pour deux raisons. Mon ordi qui s'allume plus, ça m'inquiète vraiment. Puis parce que je sais pas c'est quand la prochaine fois que je vais retourner à Londres. Mais bon, je peux toujours être surprise, là, comme ce voyage-là, c'était pas tellement prévu d'avance, là. J'ai encore mon petit bracelet de loche là, je veux trop le couper. J'ai pas de césar! Merci d'avoir écouté mes vlogs, j'espère que ça vous a plu. Et demain, ce soir, c'est retour au quotidien. Voilà. Bye tout le monde, je vous aime fort. À bientôt. À bon moment.